Bonjour. Oui, bonjour, oui. Tu es Coco, le cœur, n'est-ce pas? Je suis Jaco, le cerveau. Bienvenue dans le corps de Guillaume. Toi, Coco, tu es son cœur. Et maintenant, il n'y a plus de jeu. Maintenant, c'est nous. Alors si tu pouvais éviter d'être en retard, ne serait-ce qu'une autre fois, nous t'en serions tous très reconnaissants. William, bonjour. Bonjour. Grand succès, hein. Je pense que tu dois être content. Ouais, très très content là. Le festival se passe super bien. Là, aujourd'hui, standing, complet, la vie est belle. Ouais, il y a beaucoup de choses personnelles et en même temps, c'est une fiction. J'ai tout mélangé pour que ça reste quelque chose de... C'est pas du documentaire, c'est de la fiction. Et moi, j'y ai mis des histoires que j'avais envie de raconter, des thématiques que j'avais envie d'aborder dans un spectacle où je vais jouer plein de personnages différents. Avignon, c'est une inspiration en tant qu'artiste sur l'énergie, le fourmillement, le nombre de projets différents. Et en effet, moi, déjà en tant que sudiste expatrié sur Paris, ça me permet de passer un mois dans le sud, pas très loin de chez moi, pas loin de Nîmes. Et aussi, c'est tellement beau, il y a tellement de belles choses et de belles personnes à rencontrer que c'est sûr que c'est toujours très inspirant. Et ça, la possibilité d'Avignon, c'est d'être vu par les copains, la famille, les proches, mais aussi nous, d'aller voir les projets qu'on n'a pas le temps de voir pendant l'année ou qui nous passent un peu à côté dans les villes proches. Et bien là, on est tous réunis pendant un mois, on peut boire des verres et voir des spectacles, c'est top. Et on est là jusqu'au 29, tous les jours, sauf les mardis à 11h05 jusqu'à midi 10 au Théâtre des Barriques. Thank you.